Move. Je sais pas si t'as vu, c'est la rentrée. 12,4 millions d'élèves de la primaire au lycée ont repris l'école aujourd'hui. Et comme tous les ans, des parents ont laissé leur enfant en classe pour la première fois de leur vie. Et là, ils se rappellent pour eux, tout a commencé par une rencontre, un regard, un murmure, et puis on s'embrasse, puis on s'enlace, et puis naît le fruit de notre amour. Et un jour, ému, on le voit passer les portes de l'école. Et le soir, quand il rentre, eh ben, il faut couvrir ces putains de livres! Le cycle de la vie. Je sais pas si t'as vu le loto du patrimoine. Un nouveau jeu de grattage lancé aujourd'hui 3 septembre par la Française des Jeux. Ça coûte 15 euros et ça doit permettre de récolter des fonds pour sauver 269 monuments historiques qui doivent être rénovés. Et c'est une idée de Stéphane Bern. Ouais, parce que visiblement, la France de Macron, c'est comme ça. On peut se déguiser en CRS, fracasser des zadistes et quand t'aimes les châteaux, et ben t'organises des bingos. Voilà, comprends rien. On n'est pas rendu, mon con. On n'est pas rendu. Je sais pas si t'as vu, l'Égypte va espionner ses réseaux sociaux. Le président égyptien Al-Sisi vient de faire voter une loi pour mettre sous surveillance la presse et les comptes les plus influents. C'était pas vraiment la peine de faire une loi, non? Ils ont qu'à demander à Google. Ils font ça depuis toujours, ils connaissent tout de nous. Ils savent pas tout. Pas le soir, quand on va faire des recherches personnelles en navigation privée. Ah si, tout l'historique, ils connaissent. Et en privé, il y a le logo du masque, c'est caché. Ils peuvent pas me reconnaître puisque je suis masqué, hein? Non. Oh putain. Tu es connecté sur Move.